démarre. Ça démarre, MTF. Tu connais pas des marques. Quand j'ai entraîné les jeunes au foot, il a entraîné lui aussi. Certainement déjà dans votre cœur. Son soleil, ses cigales, son ciel bleu. Mais la connaissez-vous vraiment? Son histoire, ses traditions, ses trésors. Jean-François Gérold, ambassadeur du Galoubet Tambourin, vous invite à vivre une aventure riche de rencontres et de partages au cœur des musiques du monde. Thank you.
soi. Comment allez-vous ce soir? Une très très belle soirée. S'annonce, quel plaisir de revenir chez nous, à la maison, à Arles, dans ce magnifique théâtre antique, avec ce magnifique public qui nous attend, vous. On peut vous applaudir, vous, fans de toujours qui nous suivez, avec une belle saison, une belle année. Pour le Condor, et c'est vrai qu'on ne pouvait pas s'arrêter sur Arles avec cette année où nous sommes allés un peu plus vers le nord, où nous avons un petit peu, je dirais, à Paris, eh bien, montré la musique provençale d'une autre image. Donc Arles est un grand moment pour nous ce soir. Vous allez découvrir, redécouvrir, bien sûr, le répertoire qui habite chaque musicien du Condor. Nous allons enchaîner par un morceau que vous connaissez tous. Et inutile de vous demander qu'est-ce qui caractérise si bien notre Provence. Vous le savez, c'est quoi? C'est les cigales. Mmh.
Allez, nous restons en Provence avec un morceau que vous connaissez. Jean Petit Guidon. We'll be right back.
La campo me fai mal, puto sello, puto sello. La campo me fai mal, puto sello, mochila. La campo me fai mal. Merci. Vous avez les voix échauffées pour la soirée. Alors maintenant, un petit moment nostalgique pour tous ceux qui vont revivre intérieurement un moment soit de bonheur, soit, je dirais, de difficulté. Chacun va fermer les yeux et s'imaginer devant son assiette d'épinards.
Merci, merci. Alors, maintenant, un moment important de la soirée, puisque nous allons accueillir nos invités pour ce concert 2014 au Théâtre Antique d'Arles. Vous savez que le Condor, c'est 14 ans de rencontres, de voyages. Nous aimons beaucoup partager musicalement, partout où nous allons, eh bien, notre musique. Et là, nous avons la chance d'avoir ce soir des amis, car c'est vrai que toutes nos rencontres, ce qui est important, au-delà de la musique, c'est vraiment les contacts que nous avons, les rapports amicaux. J'aimerais accueillir sous vos applaudissements la chorale de Kerzen qui vient de Firminy. Et vous allez, je pense, pouvoir chanter avec nous. Thank you.
Merci à Sébastien, à l'Orchestre du Cœur et à tous les choristes. Car c'est vrai que quel beau rôle d'être chef de chœur finalement, car il n'y a que des bons chœurs ici. Donc bravo Sébastien. Nous allons vous jouer et chanter maintenant un morceau qui est lui aussi très important pour nous, que nous allons dédier spécialement à toutes les femmes ici ce soir. Un morceau que vous connaissez bien évidemment. Il suffit de fermer les yeux et de partir en voyage et vous allez comprendre ce dont je parle. L'Ave Maria. Ressourcés là. Normalement, vous devez être regonflé d'énergie. Vous avez tous fermé les yeux ? C'est pas vrai, j'en ai quelques-uns les yeux ouverts là. Est-ce que vous aimez le voyage ? Est-ce que vous aimez le sud ?
Est-ce qu'il y a beaucoup d'Espagnols ce soir avec nous? Ouais. Il y en a beaucoup ou pas? Oui. Il n'y a pas beaucoup de Provençaux finalement. Hein. Bon, rassurez-moi quand même. Nous allons aller un petit peu en Espagne avec un morceau incontournable, joué de main de maître par notre guitariste Lucho. Asturias. Peleaba por salvar los árboles. Después yo creí que me peleaba por salvar la selva amazónica. Ahora me doy cuenta que me peleo por la humanidad. D'abord, je croyais que je me battais pour sauver les arbres. Puis, je croyais me battre pour sauver la forêt d'Amazonie. Maintenant, je réalise que je me battais pour l'humanité. Chico Mendes. Chico Mendes.
Chico Méndez lo mataron, era un defensor y un ángel de toda la Amazonía. Él murió a sangre fría, no sabía color de melo y también la policía. Cuando los ángeles lloran, lluvia cae sobre la aldea, lluvia sobre el campanario, alguien murió.
Alors, comment vous vous sentez à ce moment de la soirée? C'est bien. Ça va? C'est bien. Pas trop chaud? Vous n'avez pas trop mal aux fesses? Si. Non, petit peu. Ah, les pierres arlésiennes sont dures, hein. Que diriez-vous si nous revenions un peu en Provence? Vous avez pu découvrir un petit peu un brin de modernité dans notre répertoire. Pour l'année prochaine, nous allons encore travailler des nouveaux morceaux, car chaque année, le répertoire, bien évidemment, se renouvelle. Alors, il est inévitable de conserver nos racines et puis les morceaux qui nous suivent depuis 14 ans. Mais il est important également d'aller toujours devant, d'aller toujours sur de la création. Et donc l'année prochaine, nous allons bien sûr vous préparer un petit cocktail particulier pour les 15 ans du Condor, puisque l'année prochaine, et oui, 2015, les 15 ans du Condor déjà, les premiers poils blancs de ma barbe arrivent. Alors, ils sont déjà arrivés depuis quelques temps. Et nous ferons un concert unique au Théâtre Antique d'Orange. Au Théâtre Antique d'Orange, c'est vrai que grand théâtre antique que nous avons déjà fait l'année dernière. Et c'est vrai que Auguste nous appelle. Il veut que nous revenions là-bas. Bon. Et donc voilà, les 15 ans du Condor pour le 10 août 2015. Mais pour l'instant, nous sommes le 7 août 2014 sur Arles. Nous revenons en Provence et j'aimerais que nous accueillions ensemble, sous vos applaudissements, tous nos tambours in air pour un morceau important, le rigodon excentrique. Alors c'est vrai que chaque année, eh bien, les tambourinaires du Condor prolifèrent. Il y en a de plus en plus. Nous ne savons plus où les mettre sur scène. Donc c'est bon signe. C'est bon signe. Alors pourquoi Orange? Eh bien parce qu'Orange, c'est vrai que c'est une scène immense qui permet d'accueillir justement tous les musiciens du Condor et puis même ceux qui viennent de l'extérieur, car je pense que l'année prochaine, nous allons essayer de réunir. L'année dernière, nous avons fait 100 tambourinaires à Orange. Alors l'année prochaine, on va essayer d'aller un peu plus loin. On va pousser la barre à 150, peut-être. Et puis les danseurs aussi. Nous allons, je pense, vous proposer un grand concert avec, je dirais, une cinquantaine de danseuses. On va essayer de voir un petit peu ce qu'on peut faire. On va lancer un appel à la Provence, aux danseuses qui veulent peut-être participer avec nous sur cet événement. Et c'est vrai que nous sommes fiers, car l'année dernière à Orange, nous avons des tambourinaires qui venaient de la région, vraiment toute la région de Provence. Donc vraiment, j'aimerais que nous les applaudissions. Il y en a certains qui sont d'ailleurs encore avec nous, puisque l'année dernière, il y a eu un coup de cœur. Et du coup, eh bien, même s'ils sont loin, ils continuent à venir jouer avec nous au Condor. Donc ils font beaucoup de kilomètres. J'aimerais que nous applaudissions tous ces tambourinaires qui viennent avec nous. Que le galop des tambourins, nos instruments identitaires, nos instruments provençaux, eh bien, 14 ans de chemin avec le Condor, 14 ans que, je ne dirais pas nous nous efforçons, parce que j'aime pas ce terme, nous le faisons avec plaisir et non pas avec de la force, mais avec au contraire de la délicatesse et de l'amour, et donc d'arriver à réunir tout le monde sur des répertoires qui sont très très larges, plutôt je dirais en musique du monde, eh bien c'est une grande fierté pour moi. D'ailleurs, une petite parenthèse et une petite, un côté, allez, un peu unique ce soir. Je divulgue, un secret. Normalement, l'année prochaine, nous allons aller en tournée au Canada. Donc, ce qui est intéressant pour nous, car c'est vrai que le Canada, eh bien, la Provence est déjà présente, donc, dans le cœur de chacun. Donc, on aura l'occasion d'en reparler, puis on vous racontera un petit peu les souvenirs du Canada. Je ne sais pas si on ira avec les moumoutes, tout ça, mais enfin, en tout cas... Non, pas les moumoutes, les doudounes, parce que les moumoutes, c'est... Si je confonds moumoutes et doudounes, ça ne va pas le faire. Hein. Qui sait, nous irons avec les doudounes, voilà. Allez, on y va. On se reconcentre quand même, parce que ce morceau demande de la concentration. Allez. Là, tout le monde serre les fesses derrière, on est droit. On y va. Thank you.
Alors je vois que vous êtes chaud maintenant, c'est la température ambiante. Est-ce que vous voulez chanter encore avec nous? Allez, un morceau qui a une belle continuité dans le concert, puisque c'est un morceau qui s'intitule Galoubet. Donc les paroles sont simples, on les a répétées durant toute la saison. Vous allez répéter après moi. Entendez-vous le son du Galoubet? On répète. Je ne demande pas une réponse, je demande que vous répétiez avec moi. Entendez-vous le son du Galoubet? Entendez-vous le Galoubet chanter? Ouais! Bon, le olé, c'était en trop, hein. De la soirée pour savoir si nous sommes plutôt à la fin ou plutôt au trois quarts. Alors nous accueillons nos tambourines aérées encore une fois pour vous dire au revoir en musique. Vous savez qu'il y a des au revoir qui durent longtemps.
C'est pas ce que je préfère forcément, parce que ben, on a le cœur brisé, c'est long. Mais c'est tellement bon de se revoir, n'est-ce pas? Thank you.
applaudir les danseuses. Avec si peu de musiciens et danseurs, imaginez l'année prochaine. Avec si peu de place, effectivement. Maintenant, le bouquet final. Alors, ça va pas se passer en l'air, ça va se passer là. J'aimerais, pour le morceau qui suit, inviter sur scène notre reine d'Arles à monter avec nous. Madame le maire de Lourdes, je crois, qui est avec nous. Donc je vais lui demander de monter également. Est-ce que monsieur le maire et d'Arles est ici? Non. Bernard, viens, en tant que représentant de monsieur le maire. J'aimerais bien sûr remercier la mairie d'Arles qui nous accueille dans ce théâtre antique. Merci à vous tous. Jérôme, viens avec nous aussi, avance-toi. Car c'est vrai que quel travail, quels efforts aussi, quelque part, c'est vrai, mais beaucoup, beaucoup d'heures de passé, beaucoup de travail ensemble pour préparer tous ces concerts, et vous savez ce que c'est. Donc c'est bien sûr pas toujours facile, mais merci à Jérôme de m'accompagner dans ce chemin et de m'aider à cette réussite. Voilà, c'est magnifique. Merci aux musiciens, qui sont aussi des amours pour moi, d'autres amours, mais merci à tous d'être là, de suivre ce chemin que nous traçons avec le temps. Je vais faire la bise, alors une bise parce que je suis un peu mouillé, mais encore une deuxième. Allez Bernard, je fais la bise aussi. Papa qui ? Alors, je tiens à remercier tous nos officiels qui sont parmi nous ce soir. Il y a beaucoup de maires, de représentants de mairies de la région qui sont là. Je ne vais pas citer tout le monde, mais j'aimerais vous remercier à tous d'être présents, car le chemin que nous avons commencé il y a 14 ans, qui n'est pas forcément des plus faciles, mais quelque part, je crois que quand nous faisons les choses avec le cœur, eh bien, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de barrière. Nous arrivons toujours à surmonter les barrières. Donc je crois que le chemin est devant nous. La lumière brille. Je crois que voilà, 14 ans de chemin déjà. Merci à Madame le maire donc de Lourdes d'être avec nous. Car nous serons à Lourdes à la fin de l'année pour le pèlerinage des gardiens. J'aimerais par ce biais aussi rendre hommage à notre grand maladier qui nous a quittés. Cette semaine, et une pensée pour lui, nous allons vous dédier à vous tous ce morceau, un morceau que nous aimons, dédier ce morceau à tous les gens que nous aimons, qu'ils soient encore avec nous ici, ou qu'ils soient déjà montés là-haut. Est-ce que Paloma est pas loin là? Allez, on va attendre Paloma, un petit ange qui arrive doucement, qui se ferait un chemin parmi tous ces musiciens et danseurs. Et nous allons offrir, bien Paloma, nous allons offrir un bouquet à Madame le maire de Lourdes. Voilà, merci. Un CD aussi à notre reine d'Arles. Je vais faire un petit bisou encore. Alors encore un petit bisou aussi pour la dernière quand même. Ouais, mais. Il s'essuie, non? Alors. Attendez, c'est pas fini.
Voilà, le reste arrive doucement. Anaïs. Voilà. Ah oui, parce que deux petites mains, c'est pas évident pour prendre le tout, hein. Donc voilà, et puis Bernard aussi, bien sûr, t'as ton petit paquet. Voilà, un bisou pour vous tous. Maintenant, nous fermons les yeux. On éteint les lumières. Car pour ce morceau, on n'a pas besoin de lumière finalement, parce que la lumière est en vous déjà. Et il est en vous. Amazing Grace. Vous allez voir que dans le noir, on peut aussi donner des choses magnifiques. Thank you.
super. Merci. Merci. Thank you.
Merci à tous de cette présence avec nous. Thank you.
Façonné de rêves et vêtements et nourriture pour notre âme. Nous sommes le début et la fin. Nous sommes le condor.